Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir une toute nouvelle série, ça s'appelle Deathloop. C'est développé par Bethesda et notamment les papas de la très très bonne série Dishonored, qui est plutôt un jeu d'infiltration. Là ça va être plutôt un jeu typé action, un petit peu comme Returnal, qui utilise l'idée de boucle, c'est-à-dire que si on meurt, on va pouvoir recommencer. Cependant, il sera moins punitif que Returnal. Hein. L'objectif, ça va être de glaner des informations pour pouvoir arriver à nos fins. Tout de suite, on découvre ça. Allez, c'est parti, on se lance, briser la boucle. Pourquoi tu ne sers pas? Donne-moi juste une seconde. Tu fais aucun effort. J'ai pas la moindre idée de... Merde, ça sent pas bon. Tu vas te dépêcher, oui. Oh la garce. Commence bien, on meurt. C'était quoi? C'était un stupide cauchemar. Oh putain, faut que j'arrête la picole. On sent déjà la petite touche d'humour. Oh putain, comment je suis arrivé là? Le jour le plus long. Alors, est-ce que c'est le débarquement? Alors, merde, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, explorer. Ouais, c'est ça. Alors, qui que je sois, où que je sois, et qu'importe ce que ça me coûte, je me barre d'ici. Premier objectif, explorer les lieux. J'ai rêvé que je mourrais. Je l'ai senti comme je sens cette plage gelée, mais je ne suis pas mort. Alors, je suis quoi? Joli petit effet de lumière pour le coucher de soleil. Briser la boucle. Attends, on voit qu'il y a... Brise la... Faut regarder légèrement de côté. Brise la boucle. Dites-moi que je rêve. Non, toujours là. Je le vois et merde. On peut se pencher. Qui es-tu? Qui suis-je? Mon nom. Mon nom. Bordel de merde! C'est quoi mon nom? Non, je peux l'acheter. D'accord. Je pense que ça sera pour pouvoir faire des diversions, ça. Pas besoin. Pistolet mitrailleur d'infanterie légère. Pourquoi je sais ça? Oh, ok. Alors... Puis pour tirer, maintenir pour viser, recharger, bon c'est très classique. Peu de pratique. Voilà. Pas besoin de munitions. Il est vif hein, quand il se met à sprinter. Génial, bien sûr. Tiens, ça me rappelle un truc. Ça a l'air d'être chez moi.
quoi ça, breloque personnelle? Ça brille. Je me sens tout drôle. Breloque. Les breloques sont empreintes du pouvoir de l'anomalie temporelle. Certaines amplifient vos talents et attributs, tandis que d'autres améliorent vos armes. Plus la breloque est de qualité, plus ses effets sont puissants. Vous pouvez équiper les breloques entre les missions, mais avant, il faut les récupérer. Vous les trouverez cachés un peu partout. Charlie. Moitié génie, moitié connard, complètement geek, son module. Transposition le rend difficile à coincer. Cassette audio, document. Ça, c'est les cycles de la journée. Ça, c'est les lieux, d'accord. Ça, c'est mes missions. Ok. D'autres trucs à lire. Franck. Musicien fantastique, temporairement impulsif et vilain. Pas de module, aucune aptitude, mais tireur d'élite. Edgar. Charles. Tous les chétiers, Julian. Tiens, viens l'alcool. On va boire un coup avec elle. Je crois que j'ai tout checké, hein. C'est quoi ça? Aka Magic. Black Reef. On doit être hors saison. Ouais, c'est moi qui ai fait ça, je crois. Alors, utiliser le Aka pour pirater les appareils électroniques et les retourner à votre avantage et viser un appareil. Et maintenez, alors ça doit être le bouton du milieu de la souris pour le pirater. Les lumières sur l'appareil vous indiquent la progression du piratage. Une fois piraté, certains appareils peuvent être déclenchés à distance à l'aide du AK. Viser un. Tout appareil doté d'une antenne peut être piraté. C'est donc le cas des capteurs tourelles et volets de sécurité. Pas mal, hein. En tout cas, la première impression, c'est que visuellement, c'est plus que propre, hein. C'est très fin. Bordel, je connais aucun code. Hé, hey, allô? Qu'est-ce que... Quel code, hein. Tu connais. Colt? Hé, hey, c'est mon nom, Colt? C'est forcément ça, hein. J'ai pas l'impression de m'appeler Colt. On dirait bien que j'ai oublié le code. Je devrais peut-être chercher ce foutu code. Trouver le code. Ici. Ouais, ok. Trouver le code. Ah, c'est marrant parce qu'il y a deux endroits où on trouve... Détail de mission et la piste visionnaire. Non, ça va. Alors, appuyez sur V pour botter le cul. Ok, Colt. Allons trouver ce code. Alors, l'eau plus profonde fait mal, l'eau profonde tue, baigne à l'interdit. Voilà, pas trop intérêt. Si je marche sur les...
et de briser la boucle, en même temps que ses engagements envers Eon. Donc, le protocole entre en vigueur. Protéger les visionnaires, tuer Colt et profiter de votre journée. Ouais, ça présage rien de bon. C'est la garce qui nous a buté au début de... Ah, il y a quelqu'un. Un matin pâle ou une nuit noire, je suis le renard. Exécution appuyée sur F lorsque l'interaction à l'écran apparaît pour effectuer une exécution et tuer instantanément un ennemi qui n'est pas sur ses gardes. Vous pouvez effectuer une exécution avec une arme à feu ou à main nue. Vous appuyez sur 1 pour sortir votre machette. Vous déplacez silencieusement lorsque vous êtes accroupi en appuyant sur 3. Le revenant, baby! Wouh! Quelqu'un va y passer ce soir. Je tiens à leur rasoir, à moi la victoire! Wow! Frank Spicer, mesdames et messieurs! Frank Spicer! Frank! Oh! Il a disparu? Ça semblait trop facile. J'ai déjà fait ça, obligé. Ok, avec la molette de la soie, on peut changer d'arme. Sympa les écriteaux. Pas besoin. Too fucking cold. Ouais. Trop froid. J'ai pas mon code. Bon, on continue, hein. Pourquoi je me rappelle pas? Demain ils seront de retour. En tout cas j'aime bien la patte visuelle, c'est pas trop flashy, c'est pas photoréalisme, c'est vraiment ce que j'aime d'un jeu aujourd'hui, voilà, ça doit ressembler à ça. Concentration, appuyez sur T pour marquer un ennemi, d'accord. Affichez sur votre écran l'indicateur du type d'arme qu'il porte. Observez les ennemis marqués pour connaître leur itinéraire de patrouille. Aussi également, d'accord. Maintenez T pour vous concentrer sur vos ennemis et ainsi savoir plus sur eux, notamment leur technique de combat, leur degré de vigilance ou encore des indices sur les types d'objets qu'ils peuvent porter. Les Eternalistes possèdent des équipements particulièrement puissants, rayonnent littéralement de puissance. Vous pourrez en apprendre plus en vous concentrant sur eux. En ce qui ne se passera rien aujourd'hui. Conscience de votre présence. Donc il se passe quelque chose. Sur ça, s'y pense qu'il ne se passera rien aujourd'hui. Alors, les autres s'éloignent. Mais l'autre vient. Si je peux lui sauter dessus, façon assassin installé là. Je suis pas envoyé un ennemi. Merde. Écoute, on l'entend presque. Il faut que je tire sur un truc. Un mec, une clope. Il y avait un truc qui était affiché tout à l'heure. Là. Ça
Sabri m'a totalement foutu les jetons. Des anus incroyables. C'est le type qu'on cherche! Bordel. Merde, alarme et éclaireur. Les éclaireurs éternalis sont sorbrant une rayure dorée peinte sur le corps peuvent déclencher le système d'alarme. Ok, dans ce cas de figure, des renforts hostiles se précipitent vers votre position où vous êtes libre de détaler ou de rester vous battre. Vous pouvez aussi pirater la radio. Ponte ta merde! Fallait compter tes balles, trou de balle. Malheur de débordement! Ouais, allô? Allô? Changer d'arme, 1, 2, 3, 4, ok. Hein? Ah, je. C'est Juliana. Ok, en fait, je sais pas trop ce que j'ai foutu hier soir, mais si tu pouvais juste... Attends, quoi? T'as dit quoi? Je crois qu'on se connaît. On se connaît, hein? Oui! Enfin! Te revoilà! Dis, de quoi tu te souviens à propos de moi? Ben, c'est... un peu embrouillé. De quoi tu te souviens? Je m'appelle Colt. À propos de moi? Tu veux me tuer, je sais pas pourquoi. Et je sais aussi un putain de code que je puisse pas. Et il y a ces boucles... C'est ça? Ouais. Je crois. Je pense. Oh, écoute, si tu n'essaies pas de briser la boucle, je te tuerai. Encore et encore, de façon toujours plus violente, jusqu'à ce que tu le fasses. Ok, je vais la briser, ta putain de boucle. Et quoi que j'ai fait pour t'emmerder, je suis désolé. T'es là? T'avais encore jamais dit ça avant. On était ensemble? Fais un tour. Mais dans la bibliothèque. Confiance. Il faut que tu vois ça. Très sympa, les doubleurs en tout cas. On est extrêmement bien mis dans l'ambiance. Ces hommes ouvrent toi. Station de soins utilisée, station de soins pour guérir. Ces espèces de suppos là. Mais j'ai déjà plein de vie. Oh, ça a l'air drôlement bon ça. Ça va être une journée productive ou non? Bibliothèque, bouge-toi le derche. Ouais, ben... je me balade, je regarde. En tout cas, j'étais impressionné de la vitesse à laquelle j'ai plus de balles. Hein. Il est urgent que j'étende mes chargeurs. C'est pas de la déco. Hein. Pas joué, dommage. T'es pas dans Yakuza là. Bon, c'est joli, mais on n'a pas grand chose à faire. T'es mal, c'est bon, chou. On monte à l'étage. Ça ressemble à la bibliothèque, ça. Bordel. Bon, je suis dans la bibliothèque. Quoi que tu fasses, ne pousse pas ce levier. Hein? Quoi? T'es là? Putain. Très bien, je vais le pousser, ton levier. Attends, je vais déjà lire. Alors, le bingo du jour, cauchemar avec sa veste porte-bonheur, quand on le titille, gros mel, île de merde, se réveille. La bouche dans le sable, essaie de boire la bouteille dégueu, se tourne et se rendort. Et à deux doigts de vomir, fredonne ce chant. Marin ridicule, hallucine, tue, miaille pendant qu'il pisse le matin, me prend brièvement pour sa mère, lit cette note.
C'est marqué quand c'est lui. Alors il est où ce levier là qui est mon... Voilà. Oh, tu te fais toujours avoir par les mêmes vieux trucs. Tu pourrais pas faire un effort pour rendre ça intéressant rien qu'une fois. C'est quoi ce truc de merde? Garnésis. Alors c'est comme ça que tu le prends. Tu sais que d'habitude, je suis sympa avec toi, espèce de sale ingrat. Mais... Cette fois, je vais te laisser te démerder. Oui, on est ensemble. Oh, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne t'en souviens pas. Et le code, tu t'en souviens du code? Je connais pas le code. Renvoie-lui l'appareil, saute. Okay. Tu survivras. J'y vais. C'est moi? Putain, c'est quoi ce délire? T'es... Et moi? Moi? Tu l'as noté sur Blackriff. Tu connais déjà le code. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Allô? T'es déjà mort? Oh putain. Je t'attends toujours. Oh moi? Qu'est-ce que t'es lourd? La carte postale, poulet. Tu l'as écrit sur la carte postale de Blackriff. Tu piges? Ok. Attends, je vais te lâcher. Attends, attends, attends. Non! Merde! Non! Non! Waouh. La carte postale. On fait quoi là? On se réveille encore sur la plage? Je viens de mourir! C'est quoi ce putain de bordel? Bon, carte postale, carte postale! Hein? Va chercher la carte et tire-toi de cette plage! Le même matin, la même putain d'émission. Pas besoin. Voici le premier morceau de mon premier album. Oh, album de temps. Tout ça c'est lu. Allez, ça faut le reprendre. Quartier 2, Blackriff, évolue au fil de la journée. Ici, vous pouvez consulter les opportunités et secrets découverts dans le quartier pendant une période spécifique. Vous pouvez également en savoir plus sur un visionnaire vulnérable fréquentant cette zone. Sélectionnez un objet doté d'une icône de diamant pour lui accoler un repère. Examinez la carte postale. Donc ça, en fait, c'est notre flux narratif, finalement. Je peux se déplacer, là, ou pas? Oh, c'est dommage, on... Ah oui, il s'est déplacé, voilà. Donc on était là, le jour le plus long, explorer les lieux, trouver le code, examiner la carte postale. L'autre Colt a dit que la carte était sur... que le code était sur la carte postale, il doit parler de celle qui est accrochée à la Camajing. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pu le... Merde. Ah oui, c'est un réveil, je suis con, putain. Putain de sale blague. Up, dame. Bon. 75-26. C'est parti pour le brisage de boucle. Tu ne briseras jamais, jamais la boucle. C'est totalement impossible. Tu veux que je la brise? Tu veux pas que je la brise? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois... pas un enfoiré. Super! C'est une matinée ou deux au top! J'en ai ma claque de toi et de tout ce bordel! Ça se termine aujourd'hui! Et par où commencer? Hop d'homme! C'est évident! Trouver mon immeuble. Avec une annonce urgente. Je viens d'apprendre...
Alors, charge Strelak. La charge est un explosif versatile offrant trois configurations, grenade, mine de proximité et mine laser équipée. Vos charges et passez d'un mode à l'autre en appuyant sur G ou maintenant G pour sélectionner l'un des modes suivants. Et après, avec le bouton du milieu de la souris, on pourra le balancer. Colt nous a trahis. On sera en alerte maximale et les loisirs seront restreints jusqu'à sa mort. Alors, tu es... D'accord, là on choisit le mode. Et n'oubliez pas, profitez bien de votre journée. Oh, il va me falloir plus de munitions. Oui, je suis d'accord. Pourquoi on mettrait ça dans... Wow, putain. C'est joli. Oh, ok, c'est normal que ça passe. Oh, c'est froid et bizarre. Reprise, cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Le module vous confère la capacité de reprise permettant de revenir deux fois après avoir trouvé la mort. Si vous mourrez une troisième fois, la boucle encore prendra fin. Vous vous réveillerez au matin de la boucle suivante, dépourvue de tous les équipements collectés dans la boucle précédente. Ça, c'est le côté qui n'est pas très cool. Après être revenu à la vie grâce à une reprise, vous demeurez invisible quelques secondes. Profitez-en pour vous mettre à l'abri. Alors cependant, je pense vraiment comme Returnal, il y a des objectifs de quête qui eux vont progresser et qu'on va garder. Par contre, va y avoir une phase où il faudra recommencer. Le nombre de résurrections prévues par la reprise est remis à zéro lors du voyage entre quartiers. Le nombre de résurrections prévues par la reprise est remis à zéro. Par contre, on a deux vies supplémentaires, hein, contrairement à Returnal quand même. Après, je sais pas s'il y a moyen de les recharger ou de... Ok, j'y vais. Alors... Posséder un flingue, une poignée de grenades et une adresse dans un coin appelé Updown. Allez donc y trouver des réponses. Donc là, on change de zone. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Trouver mon immeuble, Updown, mon courrier arrive à une adresse. J'ai le droit d'ouvrir ma boîte aux lettres, même si j'ignore qui je suis, non ? Explorer les lieux, j'ai rêvé que je mourrais, j'ai senti comme je sens cette plage gelée, mais je ne suis pas mort, alors je suis quoi? Trouver le code, vous êtes bien capable de ça, d'accord, c'est son magie. Puis enregistrement des informations découvertes qui permettent à Colt de briser la boucle et de s'échapper. Ici, et puisque vous avez découverte, votre piste actuelle s'appelle le jour le plus long. Vous l'utilisez comme d'autres pistes du même genre au fil de Deathloop. Vous, pour vous guider, suivez votre progression. Vous aurez pu le dire un peu en amont de ça. Là, ça pop un peu dans tous les sens. C'est un peu déroutant. Mon équipement. Ah, c'est dangereux par ici. Il vous faut vous équiper des meilleurs objets. Sélectionnez ceci avec le curseur pour examiner votre équipement. Ok, ces emplacements sont dédiés au module d'étranges objets fournissant des aptitudes puissants et hors du commun. Vous possédez actuellement en reprise le module personnel. Permettant à Colt, personnel de Colt, qui lui donne une deuxième et troisième chance lorsqu'il meurt. Tuez des visionnaires et prenez leurs modules. Vous pouvez les équiper et améliorer ceci. Les breloques sont des petits appareils pouvant vous donner de gros avantages. Certains ajoutent de nouveaux aspects à vos aptitudes de base. Vous avez déjà trouvé une breloque utilisée. Le curseur pour sélectionner un emplacement. Justement, je me posais la question comment on les équipe ce truc. Montez sur ressort, faites un double saut dans les airs. Okay. Lorsque vous récupérez les armes, vous pouvez les choisir. Ah oui, il y avait le flingue qu'on a récupéré, mais qu'on a perdu depuis de nombreuses breloques. Modifiez vos armes, sélectionnez votre arme.
Les armes de meilleure qualité peuvent accueillir plus de breloques, alors ouvrez l'œil pour en récupérer, sélectionnez l'emplacement. Ok. Allez-y, sélectionnez cette breloque. Absorbeur de choc. On va faire entrer. Ok. En fait, c'est un module d'amélioration, quoi. Ok. Ensuite, vous êtes armé, vous êtes équipé et vous êtes prêt à briser la boucle. Enfin, normalement, sélectionnez maintenant. Ceci pour aller dans la nouvelle zone. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. Je te demandais de faire quelque chose de différent et tu décides d'aller à Obdam ? Comment tu sais où je suis ? T'as des caméras ou quoi ? La radio repère ta position. T'as toujours l'air si surpris, comme si je ne savais pas exactement où t'allais. Je sais même pas moi-même où je vais. La place d'Orsay est juste en bas de la rue côté falaise. Laisse-moi deviner, premier étage. On dirait que tu attends une invitation. Pour que tu me remontres ta tireuse à bière. Un autre moi, ce colt-là en a plein le cul de te parler. Tu m'en diras tant. Au fait, tout le monde reconnaît ta stupide veste. Je l'aime cette veste. Frista de dame, absolument toute l'île est reliée par ces tunnels. Trouver mon immeuble. Alors, détail de mission. Suivant. Ok, c'est à 30 mètres. Et par là, il y a quoi ? Tous les chemins mènent à Rome. La mort est morte ici. Alors, votre propre aussi, les ennemis obstacles de la Crif peuvent être éliminés de nombreuses manières. Combat, esquive, furtivité, ruse constituent tout autant d'approches possibles. Attendez la fin d'une conversation pour isoler vos ennemis et éventuellement glaner de nouvelles informations. Installez des pièges et faites du bruit pour faire tomber vos cibles dedans. Ou engagez-vous dans un combat pur et simple, mais attendez-vous à affronter de possibles renforts. Et on a pu le... Ouais, j'aurais pu passer par là. On sent quand même la patte Dishonored hein, dans les lieux, mais quand je dis ça, c'est vraiment très très positif. Hein. Leur mère dit ton leur. Quand il parle, c'est lui. Classe. Il est écouté. Il prête ménage, il prête aussi la chasse aux intrus. Attends, il nous parle. Peuple de Black Reef, je m'appelle Alexis d'Orsay et je tiens à vous accueillir personnellement pour le premier jour de cette éternité. L'heure tourne et les réjouissances de ce soir approchent. Ah, profitez de la journée et amusez-vous bien. Quelqu'un d'autre peut se charger de ça. Electro, mon ami, mon pote, mon compagnon de fortune, la dernière chose que j'ai envie de faire serait de te blesser, mais je vais tuer tout le monde sur cette île. Ce portail continue à faire de la merde. Je sais que t'as eu certains déboires autrefois, que t'es venu ici pour un nouveau départ, que t'as juré de plus jamais réparer une surcharge électrique que tu détestes. On t'appelle Electro, mais mon
canard en sucre, mon petit oiseau des prés, mon orteil préféré. Quelqu'un a fusé des fils ou filé des fusibles ensemble. Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un compose le numéro du portail, il s'ouvre. Super pour les livraisons, mais merdique niveau sécurité. Si je me fais choper encore une fois pour manquement, je suis bon pour voir le capitaine. Et même si en temps normal, mon palpitant serait tout content au vu du contexte, là je vais plutôt les fois. Attends, ça veut dire que si je tape n'importe quel code. D'accord, ça va être réparé en tout temps. Bon. C'est pas grave, on a tué les deux zigotos qu'il y avait. C'est quoi? Ouais, c'est ce quoi? Ce truc. Ouais, je pense que pour l'instant, on sait pas quoi faire avec ça. Bien armé là. Des trucs pour nous redonner de la vie un peu partout. Ouais, là c'est chaud là. Pas besoin de munitions. C'est quoi ça? Monter là-dessus sans risque de mourir? Je sais pas trop ce que ça faisait. Hein. Sors de ma tête. Génial. Je commence la boucle avec le dos en compote. On aurait dit qu'il était pas seul. Il est malade? Place d'Orsay, premier étage. Si écrit, les balles ne coûtent rien. Éternalisera devant. Putain, y en a un paquet là. Comment je fais? Y'a peut-être une autre entrée. On peut passer par là-haut, non? Putain. Station de munitions, on va éviter de faire du bruit, j'ai des balles. Merde. Prendre la hauteur. Je veux bien, mais je suis pas sûr quoi je peux grimper là. Putain. Putain, mais ils sont combien? Je vais peut-être passer par là. De prendre de la hauteur, je suis un peu mal barré. Je savais pas trop si c'était hein, une manière de me faire aller. Ouais, je peux grimper. Je peux. Ah, si je peux.
Dernière nuit. Bizarre. Hein. Super. Peut-être que je peux passer par le truc où il y avait un type à l'intérieur. Il était tout seul. Y a pas une bouteille que je peux lui balancer là. Changer le rocher, le machin. Ah, alors ça c'est un truc que j'adore. On va pour attaquer un mec, on a un truc contextuel. Qu'est-ce que ça nous dit? Parfois il est plus facile d'éviter un combat, c'est le moment de le dire. Que d'en déclencher un. Explorer Black Rift, incognito, oui ok. Penchez-vous, ça ok. Faites du bruit en tirant des coups de feu ou en courant par exemple. La vigilance des éternalistes est affichée sous la forme d'une icône au-dessus de leur tête, ouais, qui se remplit. Nous croyons en quelque chose de plus grand. Est-ce que je peux monter là? Pas mal ça. Mais c'est quoi ces objets là? Par contre ouais c'est frustrant là, c'est que je peux pas les... Bon, est-ce que je peux monter? Yes. FIA, tout entière, partie 2. Quel est mon livre, ma chanson ou pièce préférée? Oh, mais la chanson de Frank et Charlie. Tout le monde sera content. Qu'est-ce que je devais absolument apporter à Black Reef? Que n'ai-je pas apporté? Vos matériaux de construction. Arme double, d'accord. Si vous tenez une arme à feu ou la machette dans la main droite, appuyez sur 5 pour équiper d'une autre. Sur vos armes, vos putains de paniers garnis. J'ai des sédatifs, des stimulants, des grands 8. J'ai ton trip, ton sucre, ta neige, ta cam, ton nirvana, une corne d'abondance prismatique à mélanger. Comme la peinture, comme l'amour. Est-ce que j'aime le feu des projecteurs? Les projecteurs ne sont rien d'autre que l'attention suprême de l'œil au centre du monde. Parfois, ils te regardent. Parfois, ils voient. Mais le plus souvent... Il est aussi mignon qu'une carpe. Merde. Moi qui pensais qu'en prenant un peu de hauteur ici, ça allait me... Pas besoin. Putain. Déception. Bon, on a quand même chopé une arme sympa. Vous aimez les armes? Les clients de la bibliothèque ont peut-être un accident. Stock de munitions et d'armes de qualité. Les premiers arrivés ont une chance de mettre la main sur un arsenal. C'est de ce côté-là, peut-être qu'il faut prendre de la hauteur. On vous réserve des stocks disponibles. C'est bien, son pote a rien vu. Il y avait une icône par là. C'est censé être chez moi ici. Chute de luxe. C'est étroit. Fouiller dans mes affaires. En tout cas, on y arrive. PT6 Spiker. Parfait pour redécorer chez soi. Qualité d'armes. Enchaîner les têtes en toute discrétion pneumatique, ouais. Qualité des équipements est variable. Un équipement de qualité vaut toujours mieux qu'un équipement médiocre. D'accord, il y a l'histoire de la couleur. Ah, ça balance des petits clous. Ok, c'est quoi ça? Minicom, nouveau message. Waouh, joli.
N'abandonne pas Lila. N'abandonne pas. Pas question. Alors, session utilisateur, Colt, conversation de groupe. Bonjour à tous, Colt a décidé de briser la boucle. Pourquoi il ferait une connerie pareille? Un effet inattendu de l'anomalie sur son système cognitif, peu importe la raison, il nous met en danger, alors agissez intelligemment, ou du moins essayez. Va te faire foutre, Juliana, qui t'a fait chef de la sécurité. C'est Alexis, chiale encore plus fort, il serait temps de retrouver l'autre moitié de ton cerveau, tête de cul, d'accord, il s'envoie des noms d'oiseaux, j'ai un plan pour lui, laissez parler les adultes, protégez-vous, c'est tout, quoi qu'il arrive, nous devons survivre, mais on ne devrait pas être à sa poursuite, l'attraper, l'étudier, étant toi, c'est que Colt, le problème est toujours notre salut, Colt peut lire tout ça en lettres lumineuses, sur fond noir, et pourtant il y a très longtemps, bon, ok, il y avait un merde, deuxième mot, non ? Ces mecs sont acherbés. Alors, t'es encore debout, j'écoute un dit, je suis nerveuse, pour minuit tout ira bien, je l'ai déjà fait, je te rappelle, notre capitaine Malas, je reviens tout juste du complexe, vraiment, t'as fait tout ce chemin à pied en passant par tes tunnels, on a des voitures, tu sais, j'ai vérifié le centre de contrôle, plutôt cool, pas vrai, tu t'es bien débrouillé, en dépit de nos ressources limitées, je suis impressionné, serait-ce un compliment, un authentique compliment de ta part, je complimente les gens tout le temps, chaque seconde, chaque jour, on s'en fout, ça nous dit rien sur notre truc pour l'instant. Ça correctement, je suis sûr que nous trouvons tout ce que nous cherchons, Banu Juliana, Banu Colt, Colt tout court. Ouais. Moi, je complimente tout le temps les gens. La boucle est gérée à partir d'une salle de contrôle. Vous avez gagné un super facile. Bien trop facile. Je le savais, putain, pauvre con. Et l'autre message, des rencontres torrides à chaque boucle. On s'en fout. T'es dans son petit appartement. Ah merde, pile en ce moment, c'est l'enfoiré. Tu te fous de ma gueule. Alors, vous avez terminé un up-down pour le moment. Prochaine étape, le complexe. Vous pouvez continuer l'exploration, l'up-down, ou rejoindre directement la sortie. Vous aurez de nombreuses occasions de revenir up-down plus tard, alors ne vous forcez pas à en explorer les moindres recoins pour le moment. Si vous mourrez avant d'avoir quitté le quartier, Colt recommencera une nouvelle boucle, perdant ainsi les armes et breloques récupérées depuis votre arrivée à up-down. D'accord. Colt a toutefois appris tout ce qu'il devait savoir ici. Vous vous retrouverez donc directement devant votre prochain objectif, le complexe. Ok. Localiser les commandes de la boucle. Quitter la zone. Ça n'augure rien de bon. Quoi? J'ai l'impression qu'ils ont. Ça m'a été tout à l'heure. Il y avait deux chemins possibles. Ces tunnels serpentent sous l'île tout entière. D'accord. C'est mon ticket d'entrée dans le complexe.
Si tu veux vraiment quitter... Sûr. Nous avons survécu. On a localisé les commandes de la boucle. Non, ça c'est notre prochain objectif. Fouiller dans mes affaires. Charlie gère le réseau du Minicom. Ça, on l'a pas fait, mais... Nouvelles armes, surtout. Vous infligez moins de dégâts, mais celui-ci. Je l'ai pas équipé, par contre. Ah, on dirait que le temps a passé dans la journée. Les quartiers de Black Reef évoluent au fil de la journée. Ici, vous pouvez consulter les opportunités et secrets. Ouais, ok, je crois qu'il l'avait dit. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette toute première vidéo découverte. Bon, en tout cas, j'aime bien le style, j'aime bien l'humour, j'aime bien la patte visuelle. À voir maintenant ce que ça donne dans le temps, on découvrira ça lors du prochain épisode.